Allez, bonne route à la française, Vanny Bourgeois avec ses 55,70 au dressage. Alors, apparemment, l'obstacle tout bas Clément numéro 16 a été très très bien franchi par Emma. Les commissaires aux obstacles ne savent plus quel superlatif utiliser maintenant. Vanny qui a été... That's the front of the first influential fences. That's the lake. It's cleared for Felicity Collins with the royal guest. Well done, Felicity. Go on, go on. Et Emma Ouarette maintenant, Retrouvons la France, vient de partir avec le dossard 216. C'est notre troisième coupe sur Olympe Manetti et notre dressage 61,5. Felicity Collins is clear over 10. Bacte sur le 45,5. Aspire de très très près, les Belges, le dossard 202. Minute 12, 5 minutes and 12 seconds for the French couple Emma Wood. It's not clear over 6 and 7, so she's coming out to the first lake. She's over fence on the right into the water. Just for Great Britain. Donc, c'est pour les gens 14, 15 et 9. 14. C'est la première chance française d'ailleurs. À la 9e place, à l'issue du dressage, Héloïse Deguin qui va déjà remonter puisque nous avons vu l'élimination de Dorine qui était à la 7e place. Donc, elle va remonter tout ce côté derrière. Voilà, Héloïse qui rentre dans la dernière boucle maintenant. Franchit la queue de la journée qui va pouvoir garder le dernier guet. Il a été trouvé un parfois. Voilà, elle aura été arrêtée très exactement 10 minutes, 6 secondes et 43 centièmes. Ils seront retirés. Alors, Karen, justement, racontez-nous la suite des aventures d'Anaïs Cagnon avec Mardoc. Ah, bien, on va raconter la suite, mais pour l'instant, dans le départ à Oran. Et pourtant, bien parti, elle est piégée par le directionnel là-bas de la combinaison des brosses. Donc, il y a deux amants qui nous courent derrière et qui sont sérieusement. Attention, pas très loin derrière. Il y a la jeune cavalière allemande, mais d'abord, en début, c'est Charisma sur le dernier guet. Et la vice-championne de France, Léa Rivaldi, membre de l'équipe de France, Bonnet. En ligne, elle en est où, Léa, avec Lombard. Bien. Il y a les deux combinaisons, 14 et 15. Voilà, 14, c'est... Ah. Of course, with Mr. Otto, she's gone clear up to 15. All's well for Jessica West, so with Mr. Otto for Great Britain, so a good round team. 15. Par contre, il faut changer le fanion blanc, numéro 14, contrebas, s'il vous plaît. Grande-Bretagne poursuivie par l'Allemagne. La voici, la Grande-Bretagne en fin de parcours maintenant dans le guet de l'Orne.
après avoir ici bien évidemment le ski de chase de Thomas et Clément. Felicity Collins is going very well. The royal guest is still on track there. She's clear so far. Through the second lake there. Beautifully done. Coming now towards home. And Great Britain with Aurelia Marcus and Tinker Secrets on track. She's lying eighth on 46.1 penalty points. Oui, elle est bien pour le temps. Regardez-moi comment elle attaque ça. Fantastique, mais pas froid aux yeux et dans le temps. Inside the time, Felicity, well done. 509, 50. Here comes Victoria Smith and Nupkin. They've gone clear. Nupkin's gone very well here in Arras du Pin with this in this pony competition. Coming down the hill now towards 17. Et parce qu'elle, elle se passe, c'est passé pour l'allemand. Elle est encore concentrée. Elle est dans l'eau maintenant. La sortie. Voilà, on monte. C'est bon, et on entend les applaudissements pour celle qui peut accrocher la deuxième place au classement provisoire. Va pas falloir traîner en route, ça va être du juste pile poil ça. Ça va être à la seconde près l'arrivée de Victoria Smith. 5-0-9, 5-0-10, 5-11, 5-12, elle est à l'heure. Inside the time, clear round, second place for you.